Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon métier. Je m'appelle Mathis Vial et au cours de cette vidéo, je vais vous présenter ma formation en bac pro aménagement paysager ainsi que mon métier. Le métier de paysagiste est un métier polyvalent. Nous faisons de l'entretien comme de la taille de végétaux, de l'arrosage mais aussi de la création d'espaces verts où nous réalisons des parcs, des jardins, des terrains de sport et des constructions comme de la maçonnerie paysagère et de l'éclairage. Mais aussi des milieux aquatiques comme des piscines qui demandent une formation supplémentaire ou des bassins aquatiques. Nous pouvons aussi faire de l'élagage pour l'entretien des arbres de plus grandes envergures, ce qui demande une formation aussi supplémentaire. Nous effectuons un travail varié en extérieur, mais les conditions climatiques peuvent être compliquées. C'est un métier assez dur physiquement. Il faut donc avoir une bonne condition physique pour ce travail. Il faut être organisé et créatif. Il faut aussi connaître le nom des végétaux par cœur, par leur nom scientifique. Ce qui demande d'être autonome pour bien savoir réagir aux problèmes qui peuvent survenir. Comme les maçons, les électriciens, ce qui demande de savoir travailler en équipe et de savoir communiquer pour éviter les problèmes qui auraient pu se produire entre les différents corps de métier. La formation se déroule sur 3 ans. Au lycée, vous allez apprendre à reconnaître les végétaux par leur nom latin. À les tailler, à effectuer les plantations et à les protéger, mais aussi à lutter contre les mauvaises herbes que l'on appelle adventices. Vous apprendrez aussi à faire de la maçonnerie au bac à sable en faisant des chapes de sable, en posant des pavés et en apprenant à utiliser les outils mécaniques comme le tracteur, la pelle et le souffleur. Vous aurez au total 16 semaines de stage dispatchées sur les 3 ans où vous allez pouvoir travailler en entreprise pour pouvoir voir et comprendre comment réaliser un chantier auprès de professionnels. Et participer aux chantiers de création comme poser de l'arrosage automatique, couler une chape béton ou faire une piscine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu.